Ni hao, je suis Grégo le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce déballage chômage, ce deuxième déballage chômage. Oui, parce que lundi j'attendais un colis. Alors, je suis bien sur DHL comme un gosse, parce que DHL m'avait envoyé un SMS, en disant, vous avez reçu un colis machin et tout. Et j'attendais comme un gosse et j'en ai reçu deux. Voilà. Donc j'ai fait le premier avant et là je fais le deuxième bah, juste après. Alors là, ça arrive super bien avec DHL, il n'y a jamais de taxes. Et là, encore une fois, en Thaïlande, c'est DHL pas de taxes. Et EMS taxe. Oui, bah, je vous mets un peu comme ça. Non. On vous rappelle, alors, les Geek Plus recevront ça en avance. Après, on les mettra sur JT Geek. On les dilue un petit peu quand on a le temps, hein, les vidéos. Là, vous en avez eu deux. Donc, il y en a eu deux. Donc, ce sera mardi et certainement peut-être mercredi. Ouais, mercredi, il y a la caméra IP. Enfin, bon, voilà. Les Geek Plus l'auront. Et puis, sur JT Geek, on mettra ça un peu plus tard. Parce que, bon, après, essayer de diluer, de pas mettre trop de vidéos par jour. Oui, je sais, je fais ça bien, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour vous faire chier. Alors, moi, j'ai une idée de ce que c'est, parce que je l'attendais. Ça faisait partie des... Vous savez pourquoi il se fait chier enlever le truc ici? Ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est juste pour le suspense. Enfin, disons, là, je les garde, les emballages, parce qu'après, quand je vais revendre les téléphones, je pourrais... Hey, dis donc, hey, tu... Allez, le dernier. Allez, c'est pas mal. Allez, c'est bon, ici, le téléphone il est là, on va mettre tout ça ici. J'ai la proprio qui doit passer là, pour mon visa, faire signer le machin là. Donc au pire, j'irai manger après, j'irai une heure. Alors, le téléphone vous a été envoyé par TomTop, je ne vous le cacherai pas. Donc c'est le... Est-ce que c'est marqué? Ah, c'est un Umi. Oh la salope. Non, pas parce que... Elle devait m'envoyer le Cubo H2. Et du coup, je l'ai demandé à iFox s'il pouvait m'avoir un UMI. Et du coup, il m'a dit non, 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 non. Et voilà. Et ouais, mais voilà le UMI Touch. Oh, t'es dur, elle fait chier. Elle m'a dit je peux pas en avoir. Donc du coup, j'ai demandé à iFox. Ouais, parce que là, je peux pas faire deux. Ouais, parce que des fois, quand c'est pour UMI et pour une boutique, je peux faire une review deux en un. Mais là, ça va pas être possible. Non, I'm at home, but busy. It's impossible. Ok. Elle est busy quoi. Ok, c'est dans la boîte. Chargeur secteur. Pour chargeur secté. Ça faut que bien que j'écrive. Et un câble USB. Micro USB quoi. Bon, rien de. Alors autant des fois on se rend compte qu'on a des boîtes qui sont super chargées. Alors des fois avec iFox, hein, parce que iFox il nous bichonne un peu. Je regarde, il n'y a pas de film protecteur dedans, ça rentre pas. Alors, UMI Touch, on va faire le petit démarrage, la vite fait, tous ensemble. Joli, hein, métal comme ça. On dirait un Meizu, pour faire simple. Joli, sympathique, propre sur lui, bien en métal. Ah, c'est clair. Oui, bah Mathieu, lui, il les lèche. Mais moi, je suis juste... moi, je suis très tactile comme ça. Ouais, le haut est en plastoc, donc bien. Et l'arrière est en métal. Voilà, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton volume ici en mode route ou est-ce que c'est juste le démarrage Android? Un téléphone plutôt joli, hein, plutôt joli, bien fini. Il n'est pas excessivement cher en plus, il fait 130€. Donc là, voulez-vous le mettre United States of America? America, on va mettre français nous, c'est bien. Ici, insérer carte SIM, on s'en fout. Les réseaux, surtout pas tout de suite, sinon il va chercher pendant 10 ans. Ah ben non, en Chine, ça marche bien. Ignorer quand même. Londres, on s'en fout. Le nom, prénom, hein. Configuration de l'empreinte digitale, non merci. Ignorer quand même. Service Google, ok. Bienvenue. Widget, ok. Voilà. Joli, hein. Et la dernière fois, j'ai vu ça quand je vous ai fait le déballage du Lego. J'ai pas mis la luminosité à fond. Et quand j'ai mis la luminosité à fond, je vais vous faire voir. Quand j'ai mis la luminosité à fond, putain, la vache. la vache, hein, en full HD, LG, pas mal. C'est pas les mêmes, on dirait. J'ai cru que c'était les mêmes fonds d'écran. Non, c'est pas les mêmes... Les mêmes machins. C'est une fleur, et là, c'est une colique néphrétique. Voilà, colorée. De chez Sony. Je sais pas si vous avez vu la pub avec les peintures et tout. Bon, bah c'est pas mal cette histoire. Voilà, donc UMI Touch, il faut absolument que j'écrive en urgence à iFox en lui disant non mais c'est bon.
Refuser, attends, refuser. Non, bien, joli, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Voilà, donc Umi Touch. Hein, content de les avoir. Ben, un petit peu à la boire. Voilà, je... Hey, hey. Alors voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà un petit peu ce qui vous attend. Paix et prospérité. Je vous kiffe. Bye bye.